on va être honnête. Hein. Non, je ne vends pas mon Démolos. Calmez-vous, calmez-vous. Oui, je sais. Calmez-vous, calmez-vous, mesdames et messieurs. Ce Démolos ne sera pas vendu sur le live. À moins qu'il y ait un Twitch Prime, peut-être. Peut-être si là, il y a un Twitch Prime qui proc, je le donne à celui qui sub. C'est possible. C'est une hypothèse que le prochain Prime gagne le Démolos or à 250€. C'est possible. C'est possible, tout comme c'est pas possible. C'est ça qui est fou. Dofus, ça m'a rapporté de la thune. Mais Dofus, tu peux te faire des couilles en or aussi dessus. Non, mais je rigolais, c'était ironique. J'adore Dofus, les mecs. Vous êtes cons, quoi. Genre, j'ai fait un arc Dofus en stream. Genre, je suis un fan de la 1.29. Évidemment, je trollais. Eh oh, il a dit quoi sur Dofus? Frérot, calme-toi. T'inquiète pas, ça va bien se passer. J'aime bien Dofus. Rassure-toi. Tout va bien se passer, mon pote. Ne panique pas, ne t'évanouis pas. Je vais remercier les subs. Personne est tombé dans mon piège du Prime là? Non mais attendez, c'est quoi cette merde? Ah bah si quand même. Ah le con! Il est con lui. Non attendez, deux cons? Oh c'est incroyable. Oh je me régale. Oh je me régale. Hein. Et il y a un deuxième, regardez, il arrive. Hein. Le con numéro 2, hein. Il est là. Hein. Oh let's go, ça me met tellement bien. Non je rigole, désolé de vous avoir insulté, hein. Ce n'est pas du tout mon... Non, vous me connaissez. Je pense que si vous abonnez, vous me connaissez. Je sais pas le délire du stream. Non, non. Par contre, le Méganium, il y a ma salive dessus. Hein. Je peux vraiment le vendre. Hein. Parce que ça rajoute du prix. Hein. Je suis désolé, hein. Vous êtes là, PCA 0, mais... PCA 0, salive croco, égale PCA 15, hein, à la base. Hein. Ça se voit que vous y connaissez pas en PCA, vous. Salive de croco sur la carte? Ah bah, attends. Et pas n'importe laquelle, hein. Pré-Covid, hein. Bon, vas-y, je fais une dernière game dev. Pour clôturer ce live, on est à combien? On est à 5h30, broken. Demain, je reprends à 11h, hein, comme d'hab, hein, les amis. 11h du matin, je sais que personne n'est debout, mais moi, je suis debout en train de solo queue, hein. Ok? Parce qu'évidemment, là, plus on arrive vers mon horaire, plus il y a des gens sur mon live. Parce que tout le monde comprend pas où c'est que je live, mais bon. J'ai décidé d'être en Yes Life. Je serai en Yes Life, je tiendrai au moins une semaine. Maximum. Au moins 3 jours. Je suis à mon deuxième jour. Merci Tony Parquet. Ah, mais très beau pseudo, ça. Tony Parquet, merci pour ce prêt. Merci Nins pour les 4 mois. Oh non, non, monsieur, non, 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 c'est le mien. Merci, Yvi, pour les 10€. En parlant de Pokémon, est-ce que t'étais allé au bout de ta version avec la pourpre? Oui, bien sûr, bien sûr. On a fini avec la pourpre. C'était un bon moment avec le live. Oui, bien sûr qu'on a terminé. Merci beaucoup pour tes 10€, c'est gentil. Merci, Oliprime, pour les 10 mois. Merci, Zonk, pour le Prime. Bienvenue, installe-toi dans les locaux. Dépêche-toi, frérot. Merci beaucoup, Tigvi, pour le Prime également. Installe-toi, Nemesis, pour les 20 mois. Yvi, pour les 2 subs offerts. Merci beaucoup, Marinus, pour les 7 mois de contrat. Enix, pour les 8 mois de contrat. Tabriz, pour les 15 mois de contrat. Merci énormément. Arstock Silver pour les 5 mois de contrat. Custer bien pour le Prime. Snoofneck pour les tiers 1. Merci beaucoup, c'est gentil. Installez-vous. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, bordel. Dernière game de la journée. Je compte Chaco, j'ai envie d'open. Ah, quoique, c'est Chaco support, il a bonne Morgana. C'est encore pire. S'il te plaît, pas Rengar. C'est mieux que rien. J'ai envie de sauter par la fenêtre, mais Rengar, je désinstalle le jeu là. Donc là, attendez, on est à Choco, Vayne, Kassadin, Kindred. Bon. La game m'a pété les couilles, j'ai la flemme de dodge. Ouais, bien sûr, il était terminé, ouais. Presque. En fait, ça dépend ce que vous appelez terminé. Ouais. Ah, mais terminer le jeu! Je croyais que vous parliez de mon live. Mon live, je l'avais terminé, ouais. Mais oui. Non, mais on s'est pas compris. Oui, bien sûr. Ah, oui, oui. Ah oui, non, le jeu, non. Bon, la game est à chier, hein, je vous le dis. On est déjà sur un petit open là, je vous le dis. Paillasson dans le placard. Putain, paillasson. Mais il va revenir dans mon cahier, paillasson, ne t'inquiète pas, Lulu. Il est dans le placard, mais il reviendra dans le cahier, je le mettrai, le paillasson. Je le mettrai dès que je l'ai. Dès que je l'ai, il est dans mon cahier. Encore tornadé mes couilles! Bon, au moins je sais qu'il est nul. C'est positif. Six mois que je n'ai pas touché à LOL. T'es en cure? T'es en cure de LOL?
La game va puer, hein, j'annonce. Merci Mephisto, merci beaucoup pour les 6 mois de contrat, merci beaucoup. La game va puer du cul, là. Ça va être une dinguerie négative. Bah tu dégages en fait. Parce qu'en fait je suis Evelyn level 1 et je te chie dessus en fait. Je prends ton caca, je chie dessus en fait. Avec Evelyn level 1 contre ton Kindred. Passe un bon moment quand même. Je vais pas full clear hein. C'est impossible contre Kindred. C'est trop dangereux. Il y a eu embrouille. Il y a eu embrouille, mais au moins la réaction a été bonne. Il y a eu embrouille. J'avoue. J'avoue tout au chat. Ça peut partir très vite en cacahuète là. Ok, là c'est pas fini les problèmes, hein, je vous le dis. Les problèmes continuent. Au niveau du raid. J'ai une potion. Je vais mettre dans le buisson. Je prends la potion. Top, il est parti wardé. Il part wardé. Mais il part. Vous avez vu où il part? Ouais, il part là. C'est-à-dire qu'il a pas wardé derrière. Très important de voir ça. C'est-à-dire qu'actuellement. Je fais le tour comme ceci. Riven ne peut pas me voir. Ouais, Ward est là. Et le kill. Oh, what the fuck? Oh merde. Mais c'est qui lui? Lui c'est Shaco. Grosse merde. Encore une ward qui va être mal placée hein. Parce que là il m'a pas vu avec la ward hein. Je viens de voir ses... Enfin, j'aurais pu flasher, d'accord, mais il bat des tout, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il fout en 3-0 en fait? Enfin, non, non. Et, enfin, son bac à 1300 carquois, là je pouvais pas l'anticiper. Hein. Il m'a fait tellement de dégâts. Hein. Non mais attends, vous avez un HP, mais...
Vous vous rendez compte du délire là? C'est moi ou il y a un gouffre entre les deux sup? Je suis pas sûr mais... J'aimerais valider ma théorie là. Après il a mis un bon grab quand même. Putain le Shaco il fait un travail! Oh ça rend fou putain. Les Shaco sup sont trop forts. Il est pas 6? Ok. Mais il fait quoi l'autre? Mais, attends mais vous... Non mais Thresh faut qu'il se réveille hein. J'ai pas de mana, j'ai même pas Q. On est dans la sauce hein. Putain, les marques sont sur lui. Allez, allez. Bien joué. Non là. Ouais bon vas-y. Il l'a. Tu me lanternes. Qu'est-ce que c'est que cette lanterne frérot? Vas-y hein. Ok, là il est big. Par contre, le nombre de marques de l'autre, j'ai même pas envie de les voir. Ok, il a gagné, hein. Il a les dégâts. Ok, le... Merde, j'ai spiké. Oh. C'est pas grave, impossible que Kindred vienne. Tellement dangereux de venir là. Il a trop de trucs à faire dans sa ville. Ouais, il s'est bien réveillé en vrai, j'ai rien. Oh, mais j'ai un deuxième smite. Mais je suis smart moi. Des barres. Oh non, mais c'est pas des barres ça. Attends, mais je suis seul connard level 5 là. Elle va mourir, hein. Faut qu'elle flèche. Hein. Faut qu'elle la flèche tôt. Par contre, c'est une dinguerie l'autre. Ils ont pris pas mal de kills ouais. Oh putain ils ont enfin mis la marque à l'opposé. Let's go, ils sont gentils putain. Ça faisait 20 minutes que j'attendais une marque qui était pas à l'endroit où il y avait Kindred. Parce que d'habitude là il l'aurait mis au groupe là. C'était cool en vrai. Il est choqué là. Putain. Attends, je suis sur le groupe, la marque est pas sur le groupe. Qu'est-ce que c'est que ce jeu vidéo? Ça c'est Kindred actuellement ça. Bah frérot en fait à la base c'était aléatoire donc je comprends que ça te choque mais... Ah j'avais quand même un mini espoir qu'il avait pu son verre. Bon alors on est foutu là. GR dans la box en reverse. Je veux plus jouer contre Shaco, j'en ai marre. Même support. Je m'étais interdit Shaco mid. Shaco jungle, je dodge en permanence mais je dodge Shaco support. J'en peux plus des Shaco en vrai. C'est trop, c'est plus possible. Il faut que le champion soit délai du jeu en vrai. Je troll 0 là. On n'en peut plus là. Enfin y'a pas quelqu'un qui profite de Shaco là. Les mecs Shaco carry trop toutes les games. Hein. Je me suis autorisé. Il a pas de R. Hein. Il a tellement de chat.
Non, j'arrête, c'est bon. Les chacos, j'en peux plus là. Tu sais que la Kindred elle est out. Moi je suis un peu out. Regardez le Chaco hein, ce qu'il fait. Hein. C'est lui qui fait tout là. Et il a pas terminé ses conneries. J'ai le seum! J'ai envie de te tuer, mais là, comment t'avais encore ton truc là? Ah frérot. J'avais pas la mana. Non, mais je vais péter un câble. Il a rien. J'ai perdu tous mes paquets. Les amis, je veux plus vivre en fait. C'est la pire game de l'histoire des games en fait. Prenez l'entièreté des games de solo queue, c'est la pire. C'est la game de trop. Mais je ne veux plus jouer contre Chaco support. Je dodge Chaco jungle, mais je dodge Chaco support maintenant. De Tornadé. Il doit avoir 2000 games de Kindred D1. Je n'en peux plus de lui là. Il nous a chacoé toute la game. Il a pué la merde comme la game d'avant. Et là il va gagner genre. Avec le room de Chaco. Je veux plus Chaco, c'est bon. C'est... Mais regardez, mais 4-10, Luden, Sonoardis. Il se régale. Il est en train de savourer sa solo queue avec son personnage. Tous les Chaco ont 80% de winrate actuellement. C'est une dinguerie. Je ne toucherai plus jamais un Chaco dans une de mes solo queues. Jusqu'à nouvel ordre. Je banne Yumi, je dodge Chaco jusqu'à nouvel ordre. Jungle, support. Je m'étais donné comme ordre d'idée que je dodgeais les Chaco jungle. Et les supports, je laissais planer le doute. Le doute ne plane plus. Je ne toucherai plus contre Chaco support également. C'est pas possible. C'est trop une dinguerie en solo queue. Le perso est dingue. Tous les main Chaco ont pris 600 LP. Même après le nerf, c'est une dinguerie, mec. Ils se régalent. Ils comprennent pas, mec. Ils puaient la merde, ils sont devenus trop forts. Persuadés d'avoir step up. Putain. Ils se régalent tous, ils sont tous légendaires. J'ai pas croisé un Chaco légendaire, c'est même pas en rapport avec la jungle, parce que même en support, ils sont tout le temps légendaires. Peu importe où il est, le mec, il est légendaire, genre, avec son Chaco. C'est bon, je veux plus jamais jouer contre Chaco, là, c'est bon. Même support là, c'est fini, là y'a plus de Chaco. Je vais aller ganker à l'opposé. Non mais il a été patch, mais même comme ça vous rendez pas compte. Y a rien qui va là actuellement là. Le mec il fait trop ce qu'il veut. Ban Chaco, dodge Yumi. Non parce que le ban rate de Chaco, de pick rate de Chaco il est plus faible. Yumi c'est 20% de pick rate je crois. Chaco c'est 7 ou 8. En gros Chaco il est pick une game sur une game sur 8, un truc comme ça. Une game sur 10 pardon. J'en ai déjà croisé deux aujourd'hui quand même. Donc à mon avis le pick rate, non il est peut-être vers les 12% maintenant. Le truc c'est que les gens jouent de plus en plus Chaco. Avant c'était un perso d'OTP, maintenant tout le monde joue Chaco. Donc les OTP grindent les lots et les nuls à chier jouent Chaco et sont quand même corrects en fait. Mais ça c'est sûrement peut-être un OTP hein. Bon, dans tous les cas, c'est quasiment impossible. Hein. Le perso rend trop fou, là.
Allez, c'est mort. Je sais pas s'il y a pas quelqu'un là. Moi, je suis totalement out. Il est là, hein. S'il est pas reparti, c'est qu'il est là-dedans. Je te le dis. Il est tellement nul à chier, l'autre, là. Il est quelque part, là. Il est là. Avec Riven. Il est où, Tourne-Dos, là? Il est où, Tourne-Dos, là? On a perdu Tourne-Dos, là. C'était l'effet demi-tour, ce bâtard. Il a dashé, hein. Il a dashé, hein. Il vient de se faire pécho en train de dasher là. Ok, comeback de ouf, non? Et le pire, c'est que Thresh est meilleur, hein. Ça me pète les couilles, hein, vraiment. Je dois analyser et là, je dois avouer que mon Thresh est meilleur que le Shaco, quoi. Mais bon. Bah, je pense que tu peux l'attaquer, mec, hein. Ça va, hein. Il va pas te faire non plus des 2 millions de dégâts. Hein. Oh merde, t'as un flash? Ok. C'est une folle, celle-là. Dégage de merde ! Tourne-Dos de mes couilles, là. Non, 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 non. Le truc, c'est qu'ils ont un scaling qui a ça d'invain quand même là. Je veux bien que je fasse des miracles, mais bon. Putain, l'autre insupportable. Regarde-le comme il insupporte. Enlevez-lui ses box. T'es fine? On lui a enlevé son double. Il y a le drag dans 20 secondes. Kiana, on va avoir besoin de toi là. Il y a une stopwatch, hein. On a mis des dégâts, on a mis des dégâts. Ok, c'est pas grave, fuck. C'est pas grave. Surtout ne pas se faire bait par les bugs de Shaco. Il a sauté sur place. Le Drake. On y va. Putain, on n'a pas grid, hein. Il y avait des envies d'all-in là. Là, tout le monde avait envie de flash-in, mais on s'est tous retenus parce qu'on sait qu'il y a ulti de Kindred, boss de Shaco de merde. On s'est tous regardé dans les yeux, on a dit vas-y, on flash-in pas, c'est bon. On a compris. Leurs persos sont horribles. Faut juste les poke de loin en fait. Il est 12 ou pas? Ouais, il est 12, hein, normal. Il se passe une dingue ou pas là? À
Allez, file, file, rentre dans ta chambre, rentre dans ta chambre. Sale merde. On peut, hein? On a quoi, là? C'est l'eau, quand même. Prends ça, prends ça. On colle plus, non? Moi, j'ai un flash. J'ai très très peur. Y'a pas de vision, là? Okay. Oh! Faut que je charme. T'es charme! Invincible. Je peux pas rester sérieux là. Tu fermes ta gueule! T'es qui? T'es qui dans l'e-sport avec ta veine? Appuyez sur vos touches là. Faites des dégâts là. Vas-y, chasse, chasse le gibier, chasse le gibier. Ce gibier, là, là, où est la ward, où est la ward? Où est le truc? Il est où ce con, il est où? Faites pas bait, faites pas bait. J'aurais pas assez les mecs, je suis abattu. C'est le pire bac. Tant pis. Dégoûté. J'aurais tellement voulu avoir le bâton de vide là. Après, j'ai pas mon flash dans tous les cas, je vais pas faire un fight de fou. Là, je vais faire un. Je vais pas courir là. Oula, oula. Pas de dinguerie, s'il te plaît. Il a. Elle a... Non, j'ai cru qu'il avait ulti. Mais déjà, non, c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai arrêté le Medjay, je préfère Rabadon. Les solocus sont trop clownesques actuellement, c'est trop dur. Medjay, c'est bien quand les solocus sont maîtrisés, mais là. Y'a rien de maîtrisé. Là, j'ai bâton du vide et j'ai bientôt mon flash. Faut juste que je fasse pas de flash-in en fait. Parce que j'arriverai pas à faire proc mon flash-in, puisque je vais forcément prendre une box de Shaco, car c'est le pire personnage de l'humanité. Voilà. Il fait quoi Didier? Attendez, Mahmoud s'est perdu hein. Mahmoud s'est perdu hein. On va le charmer. On va le slow. Ok. Frérot.
Il tient le choc là. T'as un flash? Ou t'as juste random? Boum, 25 gold. Quel est l'eau? Bah c'est écrit frérot. J'ai fait l'effort. Donc tu fais l'effort de lire. Comme ça c'est donnant-donnant mec, c'est... C'est full métal alchimiste entre toi et moi. De la merde Chaco en solo queue hein. Mais il est où son corps? C'est ça? Pas compris là. Il est mort, hein, je vous le dis. Il est mort que invisible. J'espère que ça l'a bien calmé. Oh, faites gaffe à l'ennemi qui respawn hein, par contre. Putain, le trash il a géré en fait. J'ai un peu, j'étais mauvaise langue, je l'ai engueulé, mais je suis obligé de l'honneur parce qu'il il a fait un. Ouais, il a fait de la dinguerie. À part l'early où il a pas roam, il a fait une dinguerie sur dinguerie. Là. Oh la petite merde de Chaco qui dégage, ça me met bien. Et le trash, j'ai dit, il était meilleur en plus. Hein. Le play trash. Mais c'était pop. Ah le trash il s'est vraiment mis à très bien jouer là. Après je suis d'accord, hein, la botlane c'était dur au début. Hein. Riven a pué la merde, on est d'accord. Hein, ouais. La Riven était vraiment poubelle. Hein. Oh la vache. Oh, oh là, quand t'enchaînes un nombre de games comme ça, que t'es OTP Riven et que tu proposes ce level mon pote, c'est quand même qu'il y a un problème dans ton niveau de jeu. Hein. Faut quand même se remettre en question de temps en temps. Bon, bah écoutez, on a pris que 50 LP aujourd'hui, mais bon. Mes deux défaites, c'est des dingueries, genre ingagnables. Et celle-là, elle est ingagnable, mais il y a écrit victoire. Ne cherchez pas à comprendre. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à replay ce truc entre la game d'Ekarim et de Kha'Zix. Là, il y a écrit défaite, mais il y a écrit victoire. Donc ça, c'est juste du volet. C'est la game que tu voles une fois toutes les 300 games. Ça, c'était pas gagnable. Et ça, c'était pas gagnable. J'ai gagné tout ce que je devais gagner, c'est incroyable. J'ai même gagné les trucs que je devais perdre. Presque deux games que je devais perdre, je les ai gagnés. C'était laquelle l'autre que je devais perdre? Ah non, celle-là, ça allait. Bah celle-là, en vrai, je pense que je devais la perdre, celle-là. Je pense que je devais la perdre, c'était trop dur. On a comeback sur des petits détails, en vrai, il y a beaucoup de comeback aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert, mais j'ai beaucoup gagné en même temps, en fait. Ce qui est assez étrange. Et on se retrouve, du coup, à avoir pris avec 6 victoires. 7 victoires de défaite. Et c'est là où ça fait mal au moral. C'est-à-dire qu'un winrate en D1, qui est vraiment un winrate de Grand Master, que j'ai depuis 3 jours, bah j'ai pris que 40 LP. Parce que je fais plus 14, moins 20. Et du coup, les deux défaites font moins 40. Et les victoires... 3 victoires égale... En fait, 3 victoires de défaite, je perds des LP, quoi. Si on devait résumer. C'est 97. Ça se rapproche. Franchement, ça se rapproche. Je pense que je vais m'arrêter là, les mecs. J'ai fait une bonne session de LoL.
on a bien tryhard. Je reviens demain à 11h en pleine bourre. Personne dit ça. Ça n'existe pas en fait. Je suis content de ma